Pourquoi l'exposition? Nous sommes en 2014 et il y a 100 ans que la guerre 14-18 est finie, je pense. Hein. On est en train de la commémorer. Et puis, moi, par exemple, j'ai mon grand-père qui a vécu, qui n'a pas été au front, mais qui a vécu cette guerre. Et je me suis posé la question. Jusque-là, je n'ai jamais eu de réponse, je n'ai jamais bien compris ce qui lui est arrivé. C'est dans ce cadre-là que moi, j'ai voulu comprendre, interroger le passé. Parce que quand je regarde à la télé toutes ces émissions qui parlent de guerre, qui représentent, qui remontrent voilà, la guerre telle qu'elle a été vécue, quand je regarde ça, je me pose la question si voilà, tous ceux qui ont participé à la guerre ont été représentés. Moi, je m'attache effectivement à ce que... à connaître effectivement le rôle de chacun dans cette période, à l'époque, mais aussi le rôle de chacun pourrait avoir maintenant et dans l'avenir, dans cet ensemble, je dirais, que j'appellerais la France. On parle souvent des tirailleurs ces dernières années, mais c'est souvent sous un angle militaire. On parle de leur présence en France, des champs de bataille, mais on oublie toute la partie famille et femmes qui sont restées au pays. Alors que pour les militaires français, on a fait beaucoup d'études là-dessus, sur le rôle de la femme à l'arrière. Mais pour les tirailleurs, on oublie un petit peu ce volet-là. Et moi, c'est ce qui me tenait à cœur dans ce projet, pour y participer, c'était aussi de montrer ce volet du genre. Donc la présence de la femme, même si elle n'est pas à côté du soldat, elle a quand même un rôle à jouer. Et aussi le rôle de la famille. Je pense, et la raison pour laquelle je me suis intégré au sujet, c'est d'abord... spécialiste et que je crois que au-delà des tirailleurs sénégalais, il faut bien voir en quoi la présence de ces tirailleurs sénégalais a changé le regard des Français sur l'Afrique et sur les Africains. Avant 1914, la vision que les Français avaient des Africains était une vision un peu paternaliste. Qui considérait les Africains comme gentils, mais pas très cultivés, ayant du mal à s'exprimer en français et n'ayant pas du tout une culture de type occidental. Et à force de côtoyer les Africains, aussi bien au combat qu'à l'arrière, on s'est aperçu que non seulement les Africains étaient des guerriers farouches et parfois très héroïques et prêts au sacrifice de leur vie, mais que d'autre part, derrière leur gentillesse, il y avait une revendication de droits, de liberté, égaux à ceux des Français qui habitaient la métropole. Il y a dans l'exposition imaginé par Catherine Lahaye, deux points qui me semblent très originaux, qui est d'une part la place qui sera en fait au rôle des femmes des tirailleurs sénégalais pendant la guerre, car on sait que, d'ailleurs en Europe comme en Afrique, les femmes ont joué un rôle considérable. Pendant que les hommes étaient à la guerre, ce sont les femmes qui très souvent ont assumé effectivement les charges de famille, l'agriculture, sans parler de celles évidemment qui ont travaillé dans les usines. Donc ça c'est un point important. Et également, on pourra évoquer, je pense, le rôle des tirailleurs sénégalais après la guerre, à l'occasion de leur retour au pays, où effectivement, dans des conditions peut-être parfois discutables, ils ont été des relais importants pour l'administration territoriale dans ces pays. Mais là, ça peut s'ouvrir un débat sur lequel les avis divergeront, pour des raisons d'appréciation politique. Donc je n'y rentrerai pas, mais il est certain que c'est également un point important de l'histoire des tirailleurs sénégalais, c'est le rôle en Afrique après leur retour, rôle tant économique, politique, que de lien avec la France. La guerre de 14-18, c'est quand même le premier conflit mondial,
avec 60 millions de combattants et 9 à 10 millions de morts au combat et autant de victimes civiles. Et pour la France, c'est quand même 1 500 000 morts plus les blessés. Et dans cet ensemble, les Sénégalais ont payé un très lourd tribut parce que sur les quelques 160 000 Sénégalais, 30 à 35 000 ne sont jamais revenus et ils sont en plus tombés en masse sur des champs de bataille déterminés. Donc en termes de proportion, les Sénégalais sont probablement ceux qui ont payé le plus lourd tribut à la guerre. Si on voudrait commémorer et mettre en avant toutes ces populations qui ont participé à cette guerre où il y a eu énormément de morts, c'est pour raviver ce qu'on appelle la flamme de la paix. C'est pour raviver la flamme, je dirais, de la recherche, de la compréhension de l'un vis-à-vis de l'autre, des gens de cultures différentes, pour un mieux vivre ensemble. Le partenariat eurafricain s'efforcera également de faciliter les relations avec des associations d'anciens combattants, je pense à la Fédération Maginot ou l'Union nationale des anciens combattants, qui, à notre sens, devraient s'intéresser et faciliter le déroulement de cette exposition. Également, il est possible de penser à des entreprises qui pourraient sponsoriser cette manifestation, car encore une fois, elle a un caractère pédagogique évident. On pense notamment aux enfants des écoles, on pense également aux diasporas présentes dans les différentes collectivités locales de France qui peuvent trouver là une occasion de se mobiliser pour visiter la dite exposition. Et bien entendu, il peut y avoir des variantes dans chaque ville, il peut y avoir des présentations, il peut y avoir des montages qui accompagnent l'exposition, il peut y avoir des conférences ou des colloques organisés autour de l'exposition. Donc ça laisse à chaque ville une sorte de liberté pour accueillir d'un côté l'exposition et prévoir des événementiels autour de l'exposition en fonction de leur situation géographique ou de leur population locale.